Ministre Affaires étrangères français a mandé protection pour journalistes qui couvrent la guerre Hamas-Israël. Les journalistes font partie, évidemment, des personnes dont nous demandons la protection, le respect de leurs droits, le respect de l'exercice de leur profession, souvent dangereuse et, comme vous l'avez évoqué, quelqu'un a dû perdre la vie tout récemment encore. Nous passons ces messages de la façon la plus ouverte, lors de nos entretiens, publiquement aussi, je l'ai fait hier, je l'ai fait ce matin, et je le refais très volontiers aujourd'hui. C'est pas seulement ministre Affaires étrangères la France là qui a demandé protection pour journalistes, éditeur en chef agence Reuters là demandé ça tout. Alexandra Galloni te parlé comme ça. Moi encourager toute partie qui dans conflit ça pour yo respecter et puis travailler avec tout média yo pour assurer sécurité journalistes qui couvrir région. Secrétaire général l'ONU Antonio Guterres te voyé condoléances pour famille journalistes qui victime yo. I want to say how much this demonstrates the enormous risk. Mwen ta remen di nan ki point sa montre gros risque pour conflit sa gaye. Sitou en rapport ak Liban. Après ça, mwen vle rendre hommage ak journalistes yo ki malheureusement te plus année passée et qui te payé ak la vie yo. Travay yo fè ya pour porter vérité ya bay tout moun nan mond lan et yon profond condoléances ak famille yo. To bring truth to everybody in the world that I present to their families my deepest condolences. Envoyé Nations Unies en Israël, Gilad Erdan te parlé ak journalistes yo nan vendredi et te di. Obviously we would never want li évident nou pa tap jam vle frape, touye, ou soit tiré sou yon journaliste k'ap fè travay li. Mais ou konnen nou nan yon la gè, bagay sa yo karive. Things might happen. Nan text agence Reuters la, ministre Affaires étrangères français ya Catherine Colonna, lundi 16 octobre la, mande tout de bon nan la gè Israël contre Hamas nan Gaza pou yo respecte droit journaliste kap couvri conflit ya. Colonna te fè remak sa yo nan yon conférence pou la presse 3 jours après assassinat journaliste Reuters la, Issam Abdallah, vendredi 13 octobre 2023. Et plusieurs autres collègues Reuters, agence France Presse ak Al Jazeera te blessé. Bien bonnè nan lundi, éditeur en chef Reuters la, Alexandra Galloni, te mande autorité israélien yo pour yo mener yon enquête rapide, approfondie ak transparent sou assassinat. N'a pas rappelé tout, d'après yon texte sou agence Reuters, 10 octobre 2023 passé ya, te déjà gagné 6 journalistes kap travay Hamas ki gen tan perdi la vie yo. Gentil Augustin Junior, Maryland, pour VOA Creole.